Cette vidéo a bénéficié du soutien d'Optik Underleiden et de leur superbe télescope. On vous en dit plus en fin d'épisode. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers l'espace et le temps. Depuis notre voisinage galactique jusqu'à finir par buter sur les plus grandes structures de notre cosmos, sur ce que l'on retrouve de plus imposant dans l'univers, si l'on met de côté l'univers lui-même, et qu'on appelle la fin de l'immensité. Mais avant de vous emmener vous fracasser contre cette démesure, donnez-moi quelques minutes pour poser les bases et dessiner le décor de l'inégale distribution en forme de tapisserie céleste que prend la matière aux grandes échelles dans l'univers. Comme point de départ à ce voyage en direction des confins du cosmos, prenons au hasard une galaxie, la nôtre, la Voie lactée, dont nous voyons là une vue d'artiste. Au début du siècle dernier, c'était la seule galaxie de l'univers connu. Aujourd'hui, nous avons du mal à en estimer le nombre. On en retrouve partout, et ce, quelles que soient les régions du ciel profond où l'on regarde. Et puis surtout, avec le progrès des télescopes, en sondant l'univers aux grandes échelles, on s'est rendu compte que ces galaxies, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ne sont absolument pas distribuées de façon uniforme dans l'espace. Comme les étoiles, elles se rassemblent, et 95% d'entre elles vivent en groupe, rassemblées par effet gravitationnel. Ainsi, le ciel profond est maculé de gigantesques rassemblements galactiques. Liées les unes aux autres, à travers l'espace par la seule force de gravité, les galaxies se regroupent pour former des ensembles énormes s'étendant sur des distances hors normes. Et pour monter progressivement en taille, commençons par ceux dont nous faisons partie. Notre galaxie, la Voie lactée, et ses 100 000 années-lumière de diamètre, appartient à ce que l'on appelle notre groupe local. À l'échelle de l'univers, cet ensemble qui prend la forme d'une sphère d'environ 10 millions d'années-lumière de rayon et contenant en son sein une cinquantaine d'autres galaxies, c'est la porte à côté. Et aussi grand qu'il soit, notre groupe local est relativement modeste en taille si on le compare à l'amas de la Vierge, qui, situé à 50 millions d'années-lumière, contient lui 300 fois plus de galaxies que notre groupe local, et ce, agglutiné dans un volume à peine plus grand. Et cet amas géant n'est lui-même qu'un parmi les dizaines d'autres que l'on retrouve autour de nous, et qui, tels d'immenses nuages galactiques, partagent un paysage commun, sont à leur tour regroupés dans un ensemble encore plus vaste, connu sous le nom de Superamas de la Vierge, et qui s'étend sur plus de 110 millions d'années-lumière. Le Superamas de la Vierge est un monstre de l'espace, et je pèse mes mots. 7000 fois plus massif et volumineux que le groupe local, il contient à lui seul une dizaine de milliers de galaxies regroupées dans une centaine d'amas différents. Pour tenter d'en donner une représentation, dites-vous que si notre groupe local était un nuage épars, le superamas de la Vierge serait le ciel tempétueux tout entier. Sauf qu'évidemment, au-delà de ce superamas, le maillage, l'univers continue. Et l'on retrouve au-delà encore d'autres superamas, tels que celui de Coma et ses quelques 36 000 galaxies, de la couronne boréale, qui en abrite 76 000, ou encore celui de Persée et du Poisson, qui forment un grand mur s'étendant sur près de 300 millions d'années-lumière. Bref, des superamas, on en trouve littéralement partout, quelles que soient les directions où l'on regarde. On estime le nombre de ces superstructures à plusieurs millions dans l'univers observable. Et avec les dimensions sidérantes des superamas, on a longtemps pensé avoir touché du doigt la fin de l'immensité. Car à des échelles toujours plus vastes, ces structures semblent former ensemble de longs filaments, avec lesquels on commence à voir se dessiner des lignes de plus forte densité et des zones d'ombre, des vides, dont les frontières floues et difficiles à définir prennent la forme d'une étrange et gigantesque toile d'araignée cosmique. Une toile tissée de filaments galactiques, longs de milliards d'années-lumière et riches de centaines de milliers de galaxies. Pour saisir l'immensité de cette toile d'araignée que vous êtes en train de survoler à une vitesse impossible à atteindre dans la réalité, de 20 millions d'années-lumière par seconde, dites-vous qu'à l'image, littéralement chaque point constituant ces filaments correspond à des amas de galaxies. Voilà pour le décor qui s'étend dans l'univers jusqu'à ses bords, là où notre vue s'arrête, aux limites de l'univers observable. Et dès lors se posait une question, cette toile cosmique dont la trame est pilotée par la gravitation et l'expansion de l'espace constitue-t-elle un réseau, un immense ensemble cosmique cohérent? Et c'est cette vaste question qui nous obligea à repousser ce que l'on pensait être la fin de l'immensité. Et vous le verrez, à y trouver une réponse peut-être plus grande encore. On a longtemps pensé qu'une fois arrivé à l'échelle des superamas galactiques, quelque chose s'arrête. Non pas l'univers qui, lui, au-delà, évidemment, continue, mais la montée en démesure des structures, la fin d'une forme d'architecture.
Car à des échelles encore plus grandes, on commence sur le papier à toucher à la limite supérieure de ce que la force de gravité est capable de rendre cohérent, de lier. Ainsi, si on a longtemps pensé que ces superamas, regroupés en immenses filaments, constituent la fin de l'immensité, c'est qu'il nous semblait qu'à des échelles encore plus vastes qu'eux, il était impossible de former des ensembles cohérents, de trouver des structures encore plus grandes et dont les éléments seraient gravitationnellement liés les uns aux autres. Dit autrement, ces superamas étaient considérés comme les plus grandes structures cohérentes qu'il soit possible de trouver. Et au-delà s'effacent les structures hiérarchiques reconnaissables. Tout se ressemble, rien de plus grand n'est stable. Les filaments constituant cette toile cosmique étant supposés être l'échelle de taille à partir de laquelle tout se confond en une sorte de trame homogène, dépourvue de structure discernable et sur laquelle chacune des parties de la toile est semblable aux autres. Où à ce niveau de détail, toutes les régions de l'univers semblent se ressembler. Toute la matière nous apparaît comme étant, dans toutes les directions, uniformément distribuée. Et c'est ça, la fin de l'immensité. Une frontière au-delà de laquelle l'aspérité des grandes structures de l'univers disparaît et qui semblait se manifester aux échelles d'observation d'environ 300 millions d'années-lumière. Mais de récentes et énigmatiques découvertes semblent avoir mis à jour des structures dont les tailles qui défient l'entendement viennent repousser ses limites et, en un sens, faire éclater cette fin de l'immensité. À la jonction d'immenses réseaux de filaments, on a par exemple identifié des murs de galaxies 200 fois plus volumineux que le superamas de la Vierge, et sur lesquels des milliers d'amas semblent s'aligner sur des distances si vastes, et j'étire mes mots, qu'elles défient les dimensions limites des structures que l'on pensait pouvoir être gravitationnellement cohérentes. La première des observations de ces murs galactiques venant repousser la fin de l'immensité fut très certainement celle du Grand Mur, CFA2, où sur 500 millions d'années-lumière de hauteur, 200 de large et 15 d'épaisseur, sont concentrés un nombre anormalement élevé de galaxies. Et ce mur frappé du sceau de la démesure n'est plus aujourd'hui que la quatrième plus grande structure cosmique connue de l'univers. Car d'autres découvertes de ce type ont suivi. Elles portent le nom de Grand Mur de Sloan ou du mur du pôle sud céleste, qui sont tous deux près de deux fois plus étendus que le Grand Mur CFA2 et couvrent près d'un 1/60 du diamètre de l'univers observable, tout en contenant chacun des centaines de milliers de galaxies et des dizaines de milliers de quasars répartis dans le cosmos sur près d'1,5 milliard d'années-lumière de long. Quant au grand mur d'Hercule et de la couronne boréale, titan découvert en tentant de débusquer des alignements de sursauts gamma dans le ciel profond, on y retrouve éparsement répartis sur plus de 10 milliards d'années-lumière, près de 4 milliards de galaxies, ce qui en fait de très loin la plus grande et la plus massive structure connue de l'univers observable. Et l'existence de tels géants, dont la longueur représente près de 10% du diamètre de l'univers observable, pose des questions encore plus vastes que ne le sont ces structures. Comment de tels rassemblements en apparence structurés peuvent-ils exister si, comme on le pense, aucune structure cohérente de plus d'1 milliard d'années-lumière de large au maximum ne devrait avoir eu le temps de se former depuis la naissance de l'univers? En effet, aussi massives qu'elles soient, les galaxies, comme l'hypothétique matière noire qui discrètement semble contribuer à sculpter leur distribution dans l'espace, ne sont pas en mesure de s'influencer sur des distances aussi monumentales. Ou, pour le dire rapidement, l'univers est trop jeune pour qu'elles en aient eu le temps. Et c'est pourquoi ces découvertes, en venant repousser les frontières de la fin de l'immensité aux échelles du milliard d'années-lumière, constituent un défi à notre compréhension de l'univers. On ne sait pas encore vraiment si, à proprement parler, ces agencements sont de véritables structures au sens astronomique, si leurs composants sont gravitationnellement liés les uns aux autres, comme étant les parties émergées d'une vaste superstructure sous-jacente, ou s'ils ne sont que des regroupements de murs plus petits, des filaments que le hasard a momentanément amenés à être alignés, mais n'ayant dans le fond aucune origine commune, rien d'une structure propre. Dans tous les cas, s'il s'avère à l'avenir que ces murs sont des ensembles gravitationnellement cohérents et dont les éléments ont eu le temps de s'influencer au cours de leur histoire, alors cela viendrait remettre en question certaines de nos idées sur les limites de taille cosmique. Toujours est-il qu'en l'état, la quête des plus grandes structures, ultime ossature de l'univers connu, continue. Car de par leur taille, la distance qui nous en sépare et le nombre de leurs constituants, il reste très difficile de déterminer avec précision où ces cathédrales cosmiques commencent et là où elles s'arrêtent.
d'autant qu'à ces échelles, les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent l'être. En effet, histoire de rajouter un peu de difficulté à tout ça, aux échelles d'observation des amas comme des super-amas, des phénomènes tels que les lentilles ou les cisaillements gravitationnels peuvent venir former des sortes de mirages visuels dans nos télescopes, ajoutant à nos observations de somptueuses aberrations lumineuses, telles qu'on peut le voir ici, dans cet amas de galaxies, dont l'imposante masse située au premier plan vient dévier les rayons lumineux nous provenant des galaxies situées en arrière-plan. Aujourd'hui, pour tenter de percer les mystères de la fin de l'immensité, on peut également faire appel à de stupéfiantes simulations qui incorporent dans leurs calculs nos théories, comme les données amassées et compilées par nos observations. Et ces simulations nous permettent de nous pencher sur des aspects de l'univers difficilement accessibles autrement pour l'instant. Ainsi, utiliser la puissance du numérique est un moyen détourné, un chemin de traverse pour atteindre un point de vue dégagé, nous donnant une vue d'ensemble de l'univers et de ses grandes structures. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que ces puissantes simulations, capables de nous donner à voir la distribution de la matière dans l'univers, arrivent à des rendus qui correspondent dans les grandes lignes de la toile à ce que l'on observe dans la réalité. À savoir un tableau en trois dimensions, dans lesquels des grappes de galaxies effilochées se rencontrent, se nouent et s'amoncellent, pour prendre la forme aux très grandes échelles d'une toile cosmique, tissée d'immenses filaments interconnectés qui vont jusqu'à parfois former des murs, de vastes traits, dont la longueur des coups de pinceau semble être limitée aux milliards d'années-lumière de long. Réel ou simulé, l'infini n'en finit pas de me déborder. Je te défie de me citer un endroit duquel tu pourrais pas t'évader. L'univers observable ! Ouais, bon là, ok. Après un tel voyage, je pense que je dois un merci de la taille de la fin de l'immensité à Optik Underlyden pour avoir soutenu cet épisode et surtout pour les superbes télescopes qu'ils proposent. Sur leur site, telescopesetaccessoires.fr, vous trouverez du matériel pour observer le ciel pour tous les budgets. Depuis les petits instruments éducatifs qui permettent aux enfants de s'initier à l'astronomie, jusqu'aux télescopes plus conséquents. Et là, à partir de 150€, on commence à pouvoir se régaler en observant les détails de la surface de la Lune, voire directement Jupiter ou encore les anneaux de Saturne. Vous voulez capter de la lumière provenant d'encore plus loin dans l'espace? Aucun souci. Ils ont du matériel qui, pour 500€, vous permet de voir distinctement des nébuleuses comme des galaxies proches. Évidemment, si vous voulez plonger encore plus profondément dans le cosmos, ils ont également tout ce qu'il vous faut pour se lancer dans la photo longue pose et révéler à vous, et dans toute leur splendeur, des astres encore plus lointains et discrets. Bref, je ne vais pas tout vous détailler, allez visiter leur site telescopesetaccessoires.fr pour vous en faire une idée. Et surtout, si vous avez un doute, appelez-les, ce sont de véritables amoureux du ciel, ils connaissent sur le bout des doigts et des optiques les télescopes qu'ils proposent, et sauront toujours vous conseiller le matériel adapté à vos connaissances techniques et à vos envies. Ils sont basés à Colmar, mais expédient partout en France comme en Europe, et surtout sont toujours présents en ligne sur telescopesetaccessoires.fr. Sur ce, encore merci à eux, et moi je vous dis à très vite.